grands-parents ne parlaient pas de ce qui s'était passé avec leur gosse. Hein. C'était tabou pour les autres. Et puis nous, en plus, on ne cherchait pas. On ne cherchait pas à demander, à les questionner. Quand on a commencé à comprendre, ça manquait. C'est très important de savoir. Savoir d'où qu'on vient, savoir ses origines, c'est, je trouve que ouais, c'est bon de savoir d'où qu'on vient. Ça n'a pas du tout été transmis, la culture. On n'a pas eu d'héritage arabe, non. C'est ce qui nous a manqué. Qu'on nous transmette tout ça, c'est ce qui a manqué. Hein. Bonsoir à tous. Condamnés aux travaux forcés, à l'enfer du bagne et à la solitude de l'exil, la vie des Arabes de Nouvelle-Calédonie avait mal commencé, comme vous l'avez découvert lors de notre précédente émission. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que leurs descendants ont fait pour conserver leur tradition, mieux connaître l'histoire de leurs ancêtres et renouer avec leurs racines. Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Au-delà de la douleur du bagne, des souffrances du bagne, de l'horreur du bagne calédonien, on a à la génération suivante la misère, les humiliations qu'on faisait à leur père et à eux-mêmes en tant qu'enfants de bicot et enfants de chapeau de paille, ne veulent pas transmettre ça à leurs propres enfants. Et donc inventent des histoires et surtout se taisent sur leurs propres origines. Et c'est dans la communauté arabe, c'est ce processus complexe entre le non-dit et la fierté qui a quand même été transmise qui commence à prendre corps à la fin des années 60, au moment du boom du nickel, où il y a une nouvelle colonisation qui se fait et où les descendants de première génération se disent « Oui, mais alors les Italiens, ils ont créé leur association, les Corses, ils ont créé leurs associations, les Javanais, etc. Et nous, on est qui ?» Et c'est dans ce contexte-là que se crée l'Association des Arabes et Amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie, qui va avoir comme premier rôle de s'occuper du cimetière de Nessadiou. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord des ancêtres. On essaye de conserver les traditions culturelles que ces ancêtres nous ont passées, les quelques-unes. Je fais partie de l'association, moi. Ça fait des années, hein. Je voulais être dans le... faire partie des Arabes, malgré que je suis une éloignée. Je suis pas, on n'est pas des purs Arabes, hein, quand même, en Calédonie. Hein. Ça, il n'y a peut-être pas d'endroit, mais si on bourraille, on respecte bien les traditions de nos ancêtres. On a toujours gardé la tradition de nos vieux. Ouais, ouais. C'est toujours resté dans nous, ça ne partira jamais. Ça. Ouais. Parce qu'on a toujours le nom arabe, hein. On ne perd pas notre culture ici. On a l'association des Arabes, qui fait beaucoup de choses. On a le cimetière, on a tout, qu'on respecte encore. Le cimetière arabe, c'est important pour moi. Et puis, j'ai mes parents là-bas, mes grands-parents. À tirer de droite, de gauche, on a des endroits où on tire, qu'on risque de faire mal à personne. Et allez, boum, 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 allons, on connaît, hein. L'autre il tire là-bas, l'autre il tire là, mais on va pas tirer de droite, de gauche. On a des endroits où on tire, qu'on risque de faire mal à personne. Moi, j'ai donné les noms à mes enfants. Et bon, ben, j'ai voulu mettre par rapport à la mère, quoi. Ben, j'ai mis un nom français, mais sinon, ils portent tous un nom musulman, hein. La seule chose que je garde chez la, moi, c'est la religion. Mais le restant, je m'en lave les mains, je ne connais rien du tout. Hein. Je me sens musulman à 100%. Hein. Ma religion, je ne la laisserai pas pour... La mort, elle serait là, ma religion là, qu'est-ce que tu prends? Ben, je dis, non, je garde ma religion. Prenez-moi, je m'en vais. Il y en a qui se refont musulmans?
Moi, non, je n'ai aucune religion. Je respecte, mais... Maintenant, sur l'islam, en fait, on a des situations extrêmement diverses. À part sur Nessadiou, où s'est maintenu, encore une fois, à cause de cet isolement, un islam du terroir, c'est-à-dire des bribes d'islam. Quelques familles ont entretenu sur trois générations ces bribes d'islam. Et puis, avec la modernité, ces bribes d'islam ont pu se reconstituer en se rappelant aussi qu'il y a en Calédonie une autre grande communauté musulmane, c'est les Indonésiens. C'est-à-dire que les gens étaient jamais, ceux qui voulaient pratiquer, quelle que soit la forme de l'islam, ceux qui voulaient pratiquer pouvaient pratiquer, ils n'étaient pas tout seuls. Et donc, depuis très longtemps, il y a des liens qui se sont tissés avec la communauté musulmane indonésienne pour créer quelque chose. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont fait le choix d'embrasser la religion musulmane au cours des 20 dernières années par, j'allais dire, un retour identitaire. Mais ce que l'on retrouve beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est pas tellement de devenir musulman, mais en fait de pratiquer un certain nombre de rites ou de respecter un certain nombre de traditions, par exemple le ramadan, en souvenir de l'ancêtre. Pour prendre mon cas personnel, parce que comme ça, je n'ai pas besoin de parler des autres, chacun parle pour lui. Depuis un certain nombre d'années, moi, je fais le ramadan. Je fais le ramadan alors que je suis catholique, mais ça me semble être un geste de respect pour mon ancêtre, un geste participatif avec le 1,5 milliard de musulmans à travers le monde, de faire partie de cette communauté, surtout qu'elle est aujourd'hui... en crise, et par un simple geste de montrer que notre 21e siècle, il est capable d'être multipolaire et que on peut être catholique tout en ayant un respect pour une religion frère ou sœur qui finalement sur le principe dit la même chose mais avec d'autres mots. Et donc les prières que je fais quand je fais le ramadan, je ne sais pas ce qu'elles sont ces prières. D'ailleurs, je m'en fous, quelque part. Mais ce que je sais, c'est que là où il est, mon arrière-grand-père, je lui fais honneur. Je vais, mais rarement maintenant. Mais avant, c'était tous les vendredis. Je faisais la mosquée, après de là, j'allais au cimetière. Et puis là, j'entrais chez moi ici, ouais. Pour certains de ses descendants, faire partie de l'association des Arabes de Nouvelle-Calédonie, entretenir certaines traditions transmises par leurs ancêtres, honorer leur mémoire ou encore à la mosquée, ce n'était pas suffisant. Alors, ils ont décidé de se rendre sur la terre natale de leur père ou de leur grand-père, l'Algérie. Un voyage à l'autre bout du monde qui leur a permis de renouer parfois avec une lointaine famille ravie de ces retrouvailles. On a su beaucoup, c'est avec mon frère Jean-Pierre qu'on a su beaucoup de choses. Parce que lui, il a été en Algérie en 86 avec un groupe d'Arabes de Nessadiou. Et c'est comme ça qu'on a su l'histoire. Autrement, nous, dans la famille, on ne savait pas l'histoire. En 1986, j'avais fait une demande au journal Mujahid si on pouvait nous recevoir en Algérie parce que la France avait pris des... Elle s'était occupée de nous, mais l'Algérie, rien. Et on a réussi à avoir 13 voyages. Mais moi, ce qui m'intéressait d'aller en Algérie, c'était surtout de connaître le pays de mon grand-père et de mon père, parce que mon père n'avait pas pu aller, il n'avait pas les moyens. Et moi, je voulais connaître ce pays. Ah oui, c'était un vieux rêve depuis notre plus jeune âge, parce que notre père nous disait s'il avait les moyens, il aurait voulu aller. Mon frère n'a pas pu aller, il a été bloqué au Maroc. Alors moi, quand j'ai eu la chance d'aller, eh bien, je peux vous dire, Inch'Allah, Dieu a voulu, Alhamdoulilah, comme on dit, eh bien,
l'ange Dieu de m'avoir permis d'aller voir ce pays dans le Villon déjà. On regardait ce pays, on ne regardait pas les hublots. C'est ça notre pays, c'est ça le pays de notre grand-père, c'est ça le pays de notre père, c'est ça le pays de ma mère. Et on regardait, on était mais tous émotionnés, on attendait vivement que l'avion se pose pour se toucher cette terre, pour voir ces gens, comment ils allaient nous accueillir. Et le premier jour que je suis arrivé en Algérie, ma famille Taïeb, du côté de ma mère, elle nous attendait à l'aéroport. C'était fantastique de voir cette famille qu'on n'avait pas vue depuis X, je ne sais plus jamais. Elle était là, elle nous attendait, mais tout habillé en arabe. Il y avait mon oncle, le vrai oncle de ma mère, avec les femmes, les jeunes. Et on avait été un peu gênés parce qu'ils disent qu'il ne faut pas embrasser les femmes, alors qu'au contraire, là, tout le monde nous serrait dans leurs bras. Mais Hamid, le jeune, il disait, mais Kader, je suis heureux de te connaître. Le vieux Salah disait, il priait, il pleurait parce qu'il ne s'attendait peut-être jamais à nous voir. C'était formidable de voir ces gens qui venaient nous embrasser, nos tantes, nos oncles. Mais c'était fantastique, fantastique. Mais nos grands-pères ne parlaient pas beaucoup. Ce qu'ils nous disaient surtout, c'était que les gens étaient accueillants. Ils étaient un peu comme les anciennes tantes des tribus ici, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à une table le midi, que vous étiez 15, ils préféraient vous donner à manger à vous que manger. On se partageait tout ce qu'on avait. Tout ce qu'ils nous ont dit sur les gens de là-bas, la simplicité, le partage, la tolérance, ça, on l'a reconnu. Lorsqu'ils nous parlaient du paysage, ils ne nous parlaient pas trop. Comment que c'était, mais ils disaient qu'il y avait des grandes cultures, qu'il y avait beaucoup de choses, mais ils ne nous ont pas trop expliqué comment que c'était l'Algérie de leur époque et comment que ça allait être. Mais sans ça, l'Algérie, bon, quand on la voyait à la télé, je l'ai plus connue plus à la télé que par mes grands-parents. Et en arrivant là-bas, ben, on s'est aperçu que c'était comme la télé, quoi. Le petit âne dans la rue, des fois, qui nous coupait la route, la voiture, le gars habillé avec les grands paletots, comme mon grand-père était habillé, il avait toujours des paletots à grandes manches pour la chaleur. Quand je voyais mon père et mes grands-pères sur les images, il me semblait de les voir là-bas quand je passais, il me semblait que c'était eux, parce qu'ils étaient habillés pareil, quoi, comme avant. Il n'y avait pas de différence d'avant de l'habillement, quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai quand même vu un pays assez moderne, avec pas des femmes voilées, des femmes juste avec le foulard. C'était vraiment, ça m'a surpris, et l'accueil qu'on a eu, ça m'a vraiment touché. Le premier voyage de descendants de première et deuxième génération en Algérie en 1986 aura pas de suite parce qu'en Algérie, la situation était difficile. Et puis, c'est l'arrivée en 2000 d'une équipe de télévision d'Algérie, Saïd Almi et Fatih Assi Youssef, qui viennent ici pour faire un petit reportage et qui, en fait, avec leur sensibilité et peut-être le fait qu'ils viennent de là-bas, cassent ou permettent aux gens de casser le non-dit. Et les gens s'expriment face à la caméra, expriment des choses que probablement beaucoup d'entre eux n'ont jamais exprimées avant. Parfois, ils n'expriment rien, mais expriment simplement, à travers leur silence, tout le poids de cette histoire. Il y a des vieux, des vieilles qui, devant la caméra, pleurent et disent « Je peux rien dire, c'était trop terrible, je peux rien dire ». Rien que ça, c'est déjà un témoignage. En finale, ce petit reportage finit par être, 5 ans après, un reportage de 8 heures qui passe en prime time à la télévision algérienne, qui fait un buzz énorme. Il y a un nombre impressionnant d'Algériens qui regardent une part de leur histoire qu'ils avaient en fait oubliée et qui se réapproprient cette histoire et qui veulent se réapproprier également le lien entre eux et nous. Ce qui fait qu'il y a un premier voyage officiel en 2005 qui permet à 3 descendants d'aller sur la terre de leurs ancêtres. Et à partir de là, un certain nombre d'autres familles, grâce aux recherches généalogiques, grâce à l'aide apportée en Algérie sur les recherches pour retrouver les familles, font le voyage pour refaire ce lien. Ah,
En 2005, nous sommes retournés avec Son et Haïfa. Et là, nous avons rencontré les trois familles. Et nous, on a été à la c'est là que j'ai rencontré la famille Boufnèche. La famille Boufnèche, elle reste dans les montagnes, à Djidjel. J'avais 70 ans quand je suis arrivé sur la terre de mon père. C'est en 2006. On a tout visité partout. On a été à Tiaret, où il y a les purs sangs arabes. On a été dans le désert. On a bien visité. C'est joli. Des cultures partout. Parce qu'on entend dire qu'ils travaillent beaucoup là-bas. Il n'y a pas de terre en friche là-bas. C'est tout des terres. C'est tout planté et tout. Ah oui. Il y a des. Il y a des beaux endroits là. Alors quand on est arrivé à El Milia là-bas, je leur ai dit, vous savez, je me crois à Nessadi aussi, à part qu'il y a la neige. Ces cailloux, ces crêtes, ces montagnes, ces gens qui sont partout quand on court, quand on arrive. Je dis vraiment, je me crois chez moi ici. Le souvenir que j'ai de très bien, c'est que je suis allée en Algérie. Je suis allée en 2011 dans la ville de mon grand-père à Constantine. Ah ben moi, j'ai bien voulu y aller, mais bon, ben, j'ai pas eu ces temps-là. Quand on m'a dit « tu veux venir », je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. Je n'ai même pas dit à mon mari « je pars » ou je n'ai pas dit « je vais demander à mon mari », non. Et moi, je n'ai jamais eu la chance de rentrer en Algérie. J'ai essayé en plusieurs fois, puis il y a quelque chose qui me coupe la route, quoi. Là, il me téléphone tout le temps, là, le dernier, là. Il m'avait invité à aller, il m'avait pris le voyage en première classe sur l'avion pour aller. Ouais. Et puis alors, j'ai eu un éani, je n'ai pas pu aller. Ils nous ont accueillis vraiment avec les tambours. Ils m'ont fait une haie, comme si j'étais un ministre, en passant entre les pompiers ou garde à vous. Il y avait peut-être 1000 personnes qui nous attendaient à la maison. Mais ça a été formidable, ça a été formidable. Ces gens-là que... de voir toute notre famille qui était là, qui nous attendait, qui voulait nous serrer dans les bras. Mais c'est... Alors là, c'est une... Et là, ce jour-là, en c'est quand j'ai descendu, j'ai été au village de mon grand-père. Et là, j'ai embrassé la terre de mon grand-père. Parce que lui, il aurait aimé que son petit-fils touche cette terre, mais pas qu'avec les mains, pas qu'avec les pieds, mais avec la bouche. Et j'ai embrassé cette terre, et les larmes, ils ont coulé. Et deux de mes cousins qui étaient à côté de moi, il y en a un qui s'appelle Ossine, puis l'autre, je ne me rappelle plus, il y en a un qui ressemble même à mon père. Tous les deux, ils pleuraient à chaud de larmes, et c'était pas croyable. C'était pas croyable, l'ambiance qu'on a eue, l'émotion. Je ne sais pas, même avec mon cœur, je ne pourrais pas vous le raconter comment c'est resté. C'est pour moi, ça, c'est... C'est unique, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire, c'est trop fort. C'est émouvant quand vous arrivez, quand vous mettez le pied sur la terre de notre père. Vous savez, les larmes, ils coulent. Ça, c'est sûr. Puis en plus de voir un arbre sur les trois qu'il avait planté, un encore vivant. On était invités, on était beaucoup invités. Des couscous, plusieurs sortes de couscous. Des loubias, ça c'est bon. des tagines, un peu tout. Pas les mêmes, hein. Tout le monde nous faisait un plat différent. Parce qu'on allait chez une famille, c'était les frères, les sœurs. Mais ça a été formidable l'accueil. On nous bousculait pour nous venir nous dire bonjour, je vous embrasse, pour nous toucher, pour
dit, on vous a écrit, qu'est-ce que, pourquoi vous n'avez pas écrit? Ou alors tu m'as répondu, ça y est, tu m'as répondu, et je suis heureux, voilà la lettre, voilà la lettre. Il nous faisait voir la lettre, voilà. Ça a été formidable. On a retrouvé tous les petits neveux. Parce que mon père, quand il est venu ici, il a laissé une fille là-bas. Et une fille qui s'est mariée avec un Haïfa. Et après, de cette fille, il y a eu deux garçons. Il y en a un qui est mort, il a resté un fils, Saïd. Saïd qui a eu 9 enfants. C'est seulement en 2008 que j'ai pu voir où qu'il habitait mon grand-père. Et en 2008, lorsque j'étais avec mes deux enfants, quand on était sur la plateforme, tout le monde a pleuré. Nadir, Yaël, tout le monde pleurait parce qu'on se voyait, moi je me voyais là en train de courir avec mon père. Mes petits-enfants se voyaient sur cette plateforme. Eux aussi habitaient ici. L'eau qui coule partout, parce qu'on était dans un endroit où il y a l'eau qui tombe de la montagne. C'était formidable, mais pour moi c'était grandiose. Ensuite, comme il nous avait dit, Bouvnesh, il a dit, tu vois, Kader, tu es la vraie famille. Tu es le premier, tu es encore le plus près du dernier des Bouvnesh en Algérie. Parce que toi, tu es le petit-fils de mon arrière-grand-père. Alors que toi, tu es le fils du grand-père. C'est-à-dire, tu es plus Bouvnesh que nous. Et ça m'a fait plaisir qu'en Algérie, qu'on me disait que j'étais plus Bouvnesh qu'un Bouvnesh d'Algérie. C'était formidable, ça. Qu'un vieux arabe de 70 ans qui dit, toi, tu es plus Bouvnesh que moi. Mais c'est, on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Ensuite, on est parti. On a été rencontrer la famille Taïeb à Barika. Et là, à Barika, il y avait deux Algériens qui étaient là. Et elle dit, mais toi, t'es Bouvnesh. Je dis, ouais, t'es d'où? Je dis, de Barika. Dieu. Le village, 500, 600 personnes sont venues autour de nous. Là. Ils ont pu laisser passer le car. Mais ce n'était pas croyable. Ils ne s'attendaient pas qu'on allait venir. Et là, 500, le car était envoyé, on nous donnait des cartes, on nous amenait du café, l'autre il nous amenait le journal, l'autre il nous donnait un livre, l'autre il nous donnait des... Bah, c'est ça aussi, moi, c'est gravé. C'était pas ma famille que j'avais vue, mais c'était gravé parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas, parce que j'étais de Barika, des gendarmes qui nous sont serrés dans les bras. Ça a été fantastique, fantastique. Ça, c'est... Là, c'était là vraiment peut-être des plus beaux, de l'émotion, mais aussi les plus beaux moments que j'ai eus de l'Algérie, quoi. Mais les larmes coulaient, c'était obligé. Même sans à côté, c'est l'émotion, ah oui. Oui, moi j'ai pleuré. On a essayé de trouver notre famille, mais jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Nous, on a toute notre famille, mais ils ne parlent pas français là-bas. Et aussi au dernier voyage, lorsqu'on a été chez les Taïeb, la vraie famille Taïeb, à Barika, là, c'est avec mon fils qui m'avait payé le voyage, et bien on a rencontré la famille Taïeb. C'était formidable aussi, parce que là, on revoyait, ils nous parlaient de notre grand-père. J'aimerais qu'on retrouve des gens, parce que avec un de mes frères, on serait, si on retrouverait de la famille, on serait pour repartir. J'y retournerai, pour pouvoir mieux visiter, et puis aller un peu plus loin que Constantine. Oh non. Non, mon pays, c'est la Calédonie. Allez visiter, c'est beau, tout, mais ils vivent, non. Je suis passé président de l'Association des Arabes cette année et mon objectif, c'est de fêter les 150e anniversaire de la présence des Arabes en Nouvelle-Calédonie. Et je vais essayer de voir mes enfants, quand on a un peu de moyens, pour essayer de faire venir Hossine, celui... Hossine Bouvnesh, celui qui nous a reçus vraiment formidablement en Algérie, et s'il pourrait venir en Calédonie. Au moins venir un, parce que plusieurs, c'est compliqué. Mais déjà, il faut que quelqu'un de la famille vienne en Calédonie pour faire connaître aux autres comment on a gardé cet intérêt pour notre pays, pour nos grands-parents. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire venir quelqu'un. Bon, moi, m'installer en Algérie pour le moment, j'y pense pas. D'abord, j'ai l'âge et ensuite, il y a tous mes parents qui sont ici, qui sont enterrés, mes grands-parents. J'ai ma famille ici. La grande majorité de ceux qui ont eu la chance d'aller en Algérie, ce qu'ils ont ramené avec eux, c'est un amour pour l'Algérie. Avec la découverte de familles inconnues que tout d'un coup, on se réapproprie. Mais en même temps, un profond sentiment que nos racines, elles sont partiellement là-bas. Mais que notre avenir, il est ici.
et que ce qu'on a à réussir en mémoire de nos ancêtres, c'est de réussir à créer ce que nos hommes politiques ont appelé la communauté de destin avec les Kanaks, pour que sur les ruines d'une histoire coloniale extrêmement douloureuse et dure, on puisse construire des lendemains qui chantent, construire quelque chose qui soit une paix et une fraternité dans la diversité. Parce que si vous avez entendu les gens parler, les gens ne veulent pas se noyer dans un espèce de bloc unitaire. Ils veulent avoir le droit de garder leur diversité et ce qui fait en fait la spécificité unique et la richesse de la Calédonie. Mes racines à moi, maintenant, elles sont en Nouvelle-Calédonie. C'est tout à fait normal. Je suis né ici, mes parents sont nés ici, je suis calédonien, peut-être avant tout. Mais l'Algérie, c'est mon pays aussi. Et comme je l'ai dit, je suis un Algérien, né en Nouvelle-Calédonie, de nationalité française. Je n'oublierai jamais que je suis Algérien, mais je n'oublierai jamais aussi que je suis Français. Parce que mes deux grands-mères, elles sont françaises, je ne peux pas les oublier, je suis fier de mes deux grands-mères. Alors c'est pour ça que j'ai dit, j'ai deux pays. J'ai la Calédonie qui nous a accueillis, qui est vraiment un beau pays, parce que quand on regarde la vie qu'on a ici, je ne pense pas qu'on l'aurait ailleurs. C'est vraiment formidable, la Calédonie c'est un beau pays, avec tout le monde, les gens, que ce soit avec les Kanaks ou avec n'importe qui. On vit bien, on vit en tranquille, nous les Arabes, on vit bien en paix. Mais il me manque toujours ce petit coin d'Algérie dans mon cœur. Ce petit coin d'Algérie restera toujours. Et c'est pour ça que je dis, l'Algérie aussi est mon pays. Et mes enfants, comme il a dit Yael, c'est pas avec eux que ça va partir, que l'Algérie va disparaître en Nouvelle-Calédonie. On va toujours continuer pour se battre, pour dire qu'on est des Algériens, et qu'on est des Calédoniens, et qu'on doit vivre tout le temps en paix, avec tout le monde. Voilà, c'est la fin de ces deux émissions consacrées aux Arabes du Caillou. Je vous précise que l'histoire de cette communauté enracinée malgré elle sur notre territoire a fait l'objet d'un livre et d'une exposition intitulée « Calédoun, Arabes et Berbères de Nouvelle-Calédonie » qui a été présentée en métropole et dans plusieurs communes de notre pays. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous.